Julie Compagnon. Je vais appeler les autres qui sont pour derrière. Les gaufres. Didier Montalvo ici, le revenu, je ne sais pas s'il est revenu. Sabino. Ah, de la rouge en bas. Voilà, et puis tous ceux qui auraient voulu venir ce soir vous soutenir, sont avec nous, mais qui ne pouvaient pas prendre des agendas. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire une opération de ce genre encore pour ramener de l'argent à cette belle association qui est les Services des Airs. Je voudrais encore Philippe Ancien, oui, mesdames et messieurs, Philippe Ancien, le directeur sur Air, je l'avais oublié. Philippe Ancien. Tu t'en as plus mal à la culture, je peux vous dire que ça c'est un grand et un modèle. Alors je voudrais aussi, après sur scène, celui qui est l'organisateur de cette soirée, je peux vous dire que c'est jamais évident d'organiser une soirée de ce genre avec tous les tracas que ça comporte. Il est médecin, il a un envers de médecin, donc il travaille beaucoup et il donne encore du temps. Il donne de son temps à lui pour partir opérer dans les pays d'Afrique avec ses confrères. C'est vraiment un mec que j'aime beaucoup, c'est un mec bien. Il s'appelle Pierre Rizzo. Bien, Pierre. Ici, donc c'est assez bien, vous en souvenez Pierre, et qui à l'époque Athénée, donc il a commencé par être humoriste, et puis il a dévié, je ne sais pas pourquoi il a dévié. oui, humoriste. Mais alors je me rappelle, et puis il me rappelle quelque chose de terrible, ça c'est terrible pour moi. Tu sais Pierre, j'étais en classe de neige, j'étais le médecin, classe de neige, des écoles de soins. Alors, ça a été un coup dur pour moi. Mais ce qui compte, c'est cet esprit de jeunesse, de générosité, d'amitié. Et c'était, quand on a vu tout au spectacle, avec tes invités, c'était, il y avait un fil conducteur, c'était ce fil conducteur de l'humanitaire, que j'aime beaucoup, du social. J'ai été ému d'ailleurs par tout le monde, mais la chanson de notre directeur Philippe Ancien, c'était magnifique, accompagné de la chanson de la vie. Cette chanson, je pense, ne doit pas nécessairement imposer à vraiment des grandes vedettes avec aussi des musiciens hors pair. Donc c'était vraiment tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, ce soir. C'était génial, c'était magnifique. Tu as dit tout au long de la soirée aussi que c'était pas évident. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Et voilà, je pense que je dois personnellement, au nom de Médecins du Désert, ici dans la salle, nous avons des ophtalmos, des chirurgiens, des gynécos, il y a de tout. Ils sont là, ceux qui se prennent. Avec 30 euros, la salle est complète. On peut dire que nous sommes 550 et demain, on est la rue à 550.